Bonjour les petits loups, aujourd'hui on va faire des madeleines ultra rapides. Pour ça on va prendre un œuf. 50 g de sucre. On va mélanger un peu d'arôme de vanille. 50 g de beurre fondu avec une vanille. Et là, je vais incorporer la farine. Soit vous la tamisez, soit vous faites comme moi, tout doucement, au fur et à mesure, hein, comme ça. Voilà, moi j'ai mis pour 100 g de farine et je vais la laisser refroidir au frais. Ensuite, je prends mon plat à madeleine et là, je vais mettre du beurre. Je prends du beurre comme ça. Hein. Là, je vais étaler partout. Pas que ça colle, hein, bien sûr. Ensuite, je prends un peu de farine aussi, comme ça. Voilà. Voilà, moi j'ai mis ça dans une poche à douille hein, pour aller plus vite. Et là, je dépose. Par contre, il ne faut pas remplir jusqu'au bout parce que ça va gonfler. C'est pour ça qu'il faut bien les laisser au réfrigérateur. Bon, moi j'ai triché, comme d'habitude. Hein, je les ai mis 18 minutes au congélateur pour aller plus vite. Sinon, il faut les laisser au réfrigérateur hein, pendant une heure et demie. C'est pour créer le choc qu'il va aller au four pour pouvoir avoir la petite bosse. Sinon, vous n'aurez pas la bosse. Et là, je vais les enfourner à 200 degrés. Voilà, j'en ai pour 10 minutes de cuisson. Je vais les laisser refroidir et je vais les démouler. Voyons voir. Voilà ce que ça donne. Regardez, là, nous avons la bosse. On va couper pour voir à l'intérieur. Voilà les petits loups. Donc si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, commenter, partager. Bye bye les petits loups. Bon appétit.